Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-moi sortir. Allez. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Écoute là, Esteban, je comprends pas. Lily Rose, elle a un comportement bizarre. Elle voulait pas me laisser sortir. Je suis allé la voir pour voir si ses devoirs étaient faits. Elle est devenue cinglée, fofolle. Je sais pas. Elle voulait plus me laisser sortir. Elle avait une voix bizarre. Lily Rose. Non, non, fais attention parce qu'elle est vraiment bizarre. Garde. Reste là avec moi. Non, allez. Ça va, Lily Rose? Oula. Tu vas rester là. Qu'est-ce qu'elle fait là, Lily Rose? Ça va? Je t'avais dit, elle est pas dans son état normal. Là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit de rester là. Qu'est-ce qui se passe, Lily Rose? Qu'est-ce qu'elle veut avec ses mains bizarres? T'es qui toi en fait? De quoi je suis qui? Mais c'est Esteban. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, qu'est-ce que tu racontes? Moi j'avais mon prisonnier dans ma chambre. Comment ça ton prisonnier? Non mais elle est en train de délirer totalement, Lily Rose. Attends. Ouais, attends. Bon, on va te laisser toute seule à un moment donné, ok? T'inquiète pas. Et évite de faire du bruit comme ça pour les voisins, ok? Franchement, elle est pas bien ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens, on va aller dans une autre pièce. Je te jure, elle m'a fait tomber. C'est elle? Les amis, désolé, la caméra, elle a failli se casser. J'ai senti une force me tirer vers l'arrière. J'ai failli me faire super mal. Tu m'as fait peur, Esteban. Mais moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai été poussé en plus. Ah, mais là les amis, vous avez vu, il n'y a pas de faux dans la vidéo. La caméra, elle est tombée, je suis tombé dans l'escalier. On m'a poussé. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, il se passe quelque chose de très étrange. Et t'as vu la queue qu'elle a aussi? Bah ouais, je pense qu'elle a... Tu crois qu'elle s'est déguisée? Bah non. Mais non, mais on dirait pas un déguisement. C'est vrai, en plus. Comme elle a une elle queue, a des mains bizarres. Elle a des mains comme des mains d'extraterrestre et une queue de diable. Elle arrive. Elle est en train de crier. Ah non, mais moi j'ai plus envie de m'approcher. T'as vu ce qu'elle m'a fait? Moi j'ose pas y aller. T'as vu comment t'es tombé? Qu'est-ce que tu dis, Lily Rose? Reste avec moi. Oui, je vais rester avec toi aussi. Non, arrête. Lily Rose, Lily Rose, je pense que t'es pas dans ton état normal. Si vous voulez pas, je vais chercher vos chats. Comment ça? Laisse les chats tranquilles. Qu'est-ce qui t'arrive, Esteban? Elle m'a fait tomber. Attends, viens, je vais. Pareil que tout à l'heure, quand elle s'est retournée, ça m'a propulsé vers l'arrière. Elle est là, regarde. Ah oui, elle est là-bas. Elle cherche après les chats, c'est quoi ce qu'elle a dit en plus? Regardez les amis, elle est là-bas, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche les chats. Mais qu'est-ce qu'elle va faire aux chats? Normalement, Lily Rose, elle adore les chats, elle leur ferait jamais quoi que ce soit. Faudrait aller là-bas, lui demander bon, ce qu'elle veut. En tout cas, moi, ça fait deux fois que je tombe sur ma jambe, je commence à avoir vraiment mal. Bon, vas-y. Attends, je vais aller voir, je vais demander ce qu'elle veut. Vas-y, essaie d'aller la voir, je vais essayer de trouver une solution. Pourtant, il n'y a rien de bizarre dans sa chambre. Il n'y a personne qui lui a jeté un sort. Eh oh, il y a quelqu'un? La sorcière? Quelque chose? Elle a crié encore. Qu'est-ce qui se passe? Elle a kidnappé un chat et puis... Attends, viens. Je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Lily Rose, t'es où? Attends, Lily Rose! Où est-ce que tu es? Lily Rose! Elle est dehors. Lily Rose! Arrête de faire ça! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! T'es totalement folle! T'es devenue folle ou quoi? Qui êtes-vous? Mais c'est Esteban! Je veux juste retourner à mon époque! Je me retrouve ici! Dans l'époque contemporaine, alors que je vivais au Moyen-Âge dans mon donjon! Où je protégeais mes tigres! Allez, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Viens ici. On va te soigner, Lily Rose. Non, mais regarde, elle a vraiment une queue de diable. Bah ouais, c'est une diablotine. Dans mon temps, les chats sont des... Amène-la, qui servent les... Amène-la aussi. Ok, bon, là, les amis, c'est plus grave que ce que je pensais. Je pense que Lily Rose a un gros problème. Ou pire... Ça tombe, c'est une fausse Lily Rose. C'est ça le problème. Bon, on va aller dans la boutique. C'est l'endroit où on va pouvoir s'asseoir tranquillement. Hop, on va rester ici. Ok. Bon, c'est bon, tu peux amener Lily Rose. On va la mettre ici. Et je vais appeler le médecin pour voir ce qui se passe. Ouais, j'ai réussi à la calmer.
Comment ça, t'as réussi à la calmer? Elle vient avec nous, elle vient avec moi, regarde. Ouais, ouais. Pour combien de temps? Allez, Lily Rose. Je ne m'appelle pas Lily Rose. Ah, tu t'appelles comment alors? Je m'appelle Lily de la Comtesse. Lily de la Comtesse, non mais tu te prends pour quelqu'un du Moyen-Âge depuis tout à l'heure? T'es pas quelqu'un du Moyen-Âge, je sais pas ce qui se mais passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si. Les murs sont colorés. Je sais pas si t'es une fausse Lily Rose ou si on t'a jeté un sort, mais en tout cas ça va pas du tout. Bon. Il faut que je trouve mon. Faut que je retrouve mon téléphone ou quelque chose comme ça pour appeler le médecin. Il est pas là. Il faut que j'appelle le médecin en urgence. Bon, appelle le médecin en urgence, j'ai pas retrouvé mon téléphone. Attends, je vais aller le chercher. Oh là là, t'abuses. Bon. Comment tu t'appelles, Lily de la Comtesse là? Oui. Bon, allez, lève-toi, on va vérifier des choses. Je vais te fouiller un petit peu. C'est quoi ça? Non! C'est pas possible! Donnez-moi ça! Non! C'est à moi! Lily Rose! C'est à moi, pas à toi! Je sais très bien ce qui s'est passé! T'es sérieuse? Donnez-moi ça! Non, 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 arrête, je sais très bien ce qui se passe là! Donnez-moi ça, c'est pas à vous! Ok, ok, les amis, j'ai très bien compris ce qui était en train de se passer. Mon téléphone, il est où? C'est bon, j'ai pas besoin d'appeler le médecin, j'ai très bien compris ce qui est en train de se passer. Non, c'est pas. Regarde ce que j'ai retrouvé dans sa poche! Le collier maudit? C'est le collier maudit! Donnez-moi ça! Je comprends pourquoi maintenant, et tu l'avais pas jeté! Mais non, je l'ai pas jeté ce collier. Lily Rose, tu l'as trouvé où? Je l'avais mis dans un coffre-fort, elle était pas censée le trouver. Elle est transformée, elle a dû être transformée. Je veux juste retourner dans mon époque, c'est ça qui me permet d'avancer et d'aller dans mon époque. Stop. Bon les amis, pour ceux qui savent pas, on l'a montré que dans une seule vidéo, mais ça c'est un collier maudit. Et si quelqu'un le porte à son cou, il devient totalement fou. Alors, il y a certaines personnes qui disent que après l'avoir porté, ils ont eu des pouvoirs magiques. Il y en a certains qui deviennent fous. Il y en a qui partent de chez eux pour toujours. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, à mon avis, ça a donné des pouvoirs à Lily Rose. Et c'est pour ça que sans faire exprès, elle nous fait tomber. Mais ça l'a aussi fait devenir folle. T'as vu comment elle est devenue? Elle s'est mise accroupie, comme ça. Et puis elle médite, je sais pas quoi, c'était bien ce qu'elle fait. Regarde, on voit bien sa queue de diable là. Bon, faut la laisser, elle est calme. Garde ça en sécurité, il faut que personne ne le porte, d'accord? Écoute, je vais le cacher. Allez, c'est parti, ça va Lily Rose? Ça va? Ok, bon, viens, sors. Bon, ok. Les amis, je vais pas chercher à la soigner dans cette vidéo. Parce que c'est très compliqué de soigner quelqu'un qui a porté le collier maudit. C'est une très longue histoire et c'est très compliqué à faire. Du coup, à mon avis, Lily Rose va rester comme ça pendant un certain temps. J'espère juste qu'elle va pas se relever et devenir totalement folle et nous faire plein de pranks. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez aller sur notre site pour commander des trousses, des stylos Pink Lily, des gourdes, des pulls Pink Lily, etc. Et en attendant qu'elle devienne normale, vous pouvez aller voir une autre vidéo. Ciao !